Ben écoutez, les auteurs qui m'ont marqué, et plusieurs et à différentes étapes de ma vie. Et je me rappelle l'un des premiers auteurs, ça a été un choc pour moi de lire ce gars-là, c'est Frantz Fanon. C'est Fanon, et que ce soit Les Damnés de la Terre ou Peau noire, masque blanc. Parce que c'était dans un contexte où je quittais l'adolescence. J'étais ici à Montréal, je quittais l'adolescence, et c'est un ami qui m'avait fait découvrir Fanon. D'autres auteurs qui m'ont beaucoup marqué aussi, et il y a des poètes, évidemment, Prévert, pour moi, la poésie de Prévert, ça a été un vrai coup de foudre. Je suis tombé en amour avec cette poésie-là. Je ne m'en suis toujours pas remis, d'ailleurs, de la poésie de Prévert. Et plus près de moi, il y a des poètes haïtiens que j'ai beaucoup aimés. Et il y a Roland Morisseau, il y a Anthony Phelps. Donc c'est une poésie riche et allumée, une poésie lumineuse, d'une grande sensibilité. Donc que ce soit la poésie de Phelps ou la poésie de Roland Morisseau. Donc je ne compte plus le nombre de fois où j'ai relu la chanson de Roland, donc qui est un recueil majestueux. Donc et il y a d'autres auteurs que j'ai aimés aussi, peut-être pas nécessairement des poètes. Au collège, il y a un de mes profs de littérature qui m'avait fait découvrir Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Ça, c'était au moment, et ce recueil-là tombait à point, parce que c'était à cette époque-là que je commençais à griffonner mes rudiments de poèmes. Alors, j'ai eu le culot, ou l'audace, d'aller les montrer à cette prof de littérature en qui j'avais confiance, puisque c'est un peu moi-même, c'est un peu nous-mêmes qu'on dépose sur cette feuille de papier-là. Et là, quand je lui ai demandé ses commentaires, elle n'a pas voulu. Elle ne m'a fait aucun commentaire. Elle m'a dit, et je ne te ferai aucun commentaire, pas parce que je n'aime pas, ou pas parce que j'aime, mais je t'invite à continuer. Mais par-dessus tout, je te donne ce recueil. Et là, c'était Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Et depuis lors, c'est un recueil que je suggère à tous les jeunes, à tout jeune artiste, particulièrement les jeunes écrivains. Je pense que c'est un must. Et ce recueil-là, c'est un recueil sur non seulement le pourquoi de l'écriture, mais c'est non seulement sur la littérature, selon moi, mais sur la création en général. Pourquoi on décide, pourquoi on veut devenir créateur, pourquoi on veut créer, pourquoi on veut devenir artiste? Qu'est-ce qui milite en faveur de ce désir-là? Et il y a cette fameuse question que Rilke pose à ce jeune, parce que Lettre à un jeune poète, c'est une correspondance de Rilke avec un jeune poète, un poète en herbe qui s'appelle Franz Xaver Capu. Et où il dit à ce jeune poète, si tu ne devrais ne plus écrire, qu'est-ce qu'il adviendrait de toi? Si la seule chose qu'il te resterait à faire, qui te restera à mettre au monde, c'est l'écriture, c'est la littérature. Comment te sens-tu par rapport à tout ça? Et finalement, un grand conseil qu'il donne à Capu, et c'est là finalement que j'ai compris la position de ma prof de littérature, il dit, ne lis pas les critiques, évite de lire les journaux, évite de lire les commentaires sur tes poèmes. Parce qu'avant tout, l'expérience de l'écriture, c'est une expérience totale de soi, envers soi et pour soi. Évite de penser que tu as un public
on n'écrit pas pour un public. Le public se reconnaîtra peut-être dans ta littérature si elle est authentique, c'est-à-dire dans la mesure que c'est une littérature où tu es vrai là-dedans. Et ça, ce sont des choses qui aujourd'hui encore, des années plus tard, me parlent et autour de l'expérience de l'écriture. C'est un petit recueil, un tout petit recueil, mais je pense, je crois, fondamental, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué en tout cas. J'ai déjà confié à quelqu'un que je suis un peu comme Josephine Baker. J'ai deux amours, Port-au-Prince et Montréal. Et même dans mon écriture, des fois il m'arrive de commencer un texte et de dire que je vais parler de Port-au-Prince. Et puis à la fin du texte, je me rends compte que je suis en train de parler de Montréal. Et l'inverse est aussi vrai aussi. Mais je te dirais que le quartier qui m'inspire le plus, c'est Rivière des Prairies. Et c'est un quartier très paisible, en tout cas pour moi. C'est un quartier qui représente à la fois l'urbanité et la banlieue. L'idée de la banlieue, parce qu'évidemment c'est un quartier où il y a beaucoup de parcs et où il y a beaucoup d'arbres. Quand c'est le printemps, on sait que c'est le printemps puisqu'on entend les oiseaux, donc les bruits des klaxons des autos ne nous dérangent pas. Donc la paix des lieux nous permet d'entendre le chant des oiseaux, le bruit, le vent qui passe dans les arbres. Mais c'est aussi l'urbanité dans la mesure que c'est un quartier de Montréal. C'est un quartier de Montréal, il y a quand même 55 000 personnes qui y vivent. Ce que j'aime dans ce quartier aussi, c'est les gens diversifiés. C'est un quartier très diversifié. Et il n'y a pas d'homogénéité ethnoculturelle. Au niveau des générations, c'est pas un quartier de vieux, c'est pas un quartier de jeunes. On retrouve à la fois des jeunes, des vieux, des moins jeunes, des plus vieux, etc., etc., etc. Et c'est un quartier inspirant pour la rivière. Le nom l'indique, Rivière des Prairies. C'est au bord de la Rivière des Prairies. Quand je suis dans ce quartier-là, de chez moi, je regarde de l'autre côté, je regarde Laval de l'autre côté. C'est un quartier, je crois, qui offre ce que Montréal a de plus merveilleux, de plus beau. C'est-à-dire, souvent, quand les gens qui sont de passage à Montréal, je leur demande, est-ce que vous aimez Montréal? Si oui, qu'est-ce que vous aimez à Montréal? Et souvent, ce que les gens me disent, c'est trois choses qui viennent surtout en premier. C'est une ville paisible, tranquille, où il fait bon vivre. C'est les gens. Les gens sont chaleureux. Et troisièmement, c'est la diversité, diversité des sons, des couleurs, des rythmes, etc., etc. Et on retrouve tout ça à Rivière des Prairies. Mais la Rivière des Prairies qui m'inspire, de temps en temps, il m'arrive aussi de transporter Rivière des Prairies à Port-au-Prince. Parce que c'est peut-être aussi quelque part comme ça que j'aurais aimé que mon patelin à Port-au-Prince soit aussi. C'est peut-être des fois aussi, il y a certaines odeurs de Port-au-Prince que je ramène ici. Des fois, il y a des visages aussi que je ramène ici. Et je disais jusqu'à tout dernièrement à un ami à moi, je lui confiais que quand je rêve d'Haïti, je rêve toujours, je me vois toujours dans le même endroit. C'est-à-dire, c'est non loin. Il y avait une grande barrière à l'entrée de ma maison, et puis il y avait une fontaine qui était juste au coin. Je me vois toujours au bord de cette fontaine à regarder les gens qui passent. Et de temps en temps, quand je ne veux pas rêver, quand je suis à Montréal, je me tiens pas loin de l'entrée de ma maison pour regarder les gens passer. Car j'aime beaucoup regarder les gens. Je trouve qu'en regardant les gens, on apprend beaucoup. Même dans leur silence, on apprend beaucoup. Et puis comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, donc voilà. Donc,
C'est ce qui me charme beaucoup. J'allais à l'école primaire et c'était Dominique Savio. Et le dimanche, avec tous les élèves, on allait à l'église le dimanche. Alors tout le monde était habillé tout de blanc, il fallait s'habiller tout de blanc. Mais le premier dimanche de chaque mois, on remettait les bulletins. Et mes parents étaient toujours très heureux de venir me chercher à l'école. Parce qu'ils savaient que le bulletin allait être bien. Sinon très bien. Et un jour, je me suis chicané avec mon père. Bon, en fait, il m'a chicané plutôt. Je me suis pas chicané avec lui, il m'a chicané. Alors, j'ai dit, je ne travaille plus à l'école. Je n'irai plus à l'école, je ne veux plus aller à l'école. Et puis là, il m'a dit quoi? Et puis moi, je vois encore mon père avec son visage. Il me dit quoi? L'école, c'est sacré. Et tu vas être comme d'habitude, c'est-à-dire parmi les premiers de ta classe. Eh bien, je n'ai pas répliqué, j'ai gardé silence. Sauf que le malheur a voulu que ce jour-là, ce dimanche-là, comme d'habitude, il venait me chercher à l'école pour avoir le bulletin. On ne m'a pas remis le bulletin. Le directeur qui remettait le bulletin à chaque élève ne m'a pas remis le bulletin. C'était mauvais signe. Parce que les élèves à qui on ne remettait pas le bulletin, c'était les élèves qui avaient échoué. Donc, mon père a tout de suite déduit que j'ai échoué. Et puis là, je le vois encore, le visage de mon père, je me retourne, parce que je savais qu'il était au fond de la classe avec tous les autres parents. Et puis, avec les sourcils, mais fou, qui me regardent. Et puis, mais dans ma tête, je me disais, mais mon Dieu, pourtant, j'ai travaillé comme avant. Et j'allais sortir, et puis là, il m'attrape par l'oreille. Il m'a dit, comment as-tu osé me faire ça? Me faire honte. Je viens te chercher parce que je sais que le bulletin est bon, et puis là, tu as échoué. Et puis là, j'ai dit, non, papa, j'ai pas échoué. Le directeur n'était pas trop loin. Le directeur a dit, ah ben oui, c'est vrai, j'ai pas remis à prendre son bulletin. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là, on va regarder. Mais le problème, c'était, il y avait une nouvelle secrétaire qui venait d'arriver à l'école. Et puis, je pense qu'elle avait fait une erreur. Mon bulletin est allé dans une autre classe. Et ce jour-là, j'étais deuxième dans ma classe. Donc, je me rappelle, ben là, maintenant, j'étais pris d'orgueil, orgueilleux que j'étais. Là, je me suis mis à pleurer. Et puis mon père, honteux, il est de... Et il m'a dit, ah ben écoute, on va arranger les choses. On va passer une journée à manger de la crème glacée. Et là, on est allé du côté de l'Alu, la route de l'Alu à Port-au-Prince. Et là, on a fait peut-être deux crèmeries. On a fait deux ou trois crèmeries. Et j'ai passé toute une journée avec lui à manger de la crème glacée. Ça a été une journée mémorable, car j'en ai profité. Et je pense que j'ai mangé au moins 6 ou 7 crèmes glacées. C'est une très belle journée. Et l'autre chose que j'aimais beaucoup, c'est un souvenir de ma mère. C'est ma mère qui, à chaque premier du mois, il nous réunissait tous et puis il nous demandait, ma mère, c'est une tradition qu'elle a toujours eue chez nous, qui nous demandait qu'est-ce qu'on souhaite pour le mois, qu'est-ce qu'on souhaite faire pour le mois, quels sont les objectifs qu'on souhaite atteindre pour le mois. Et puis, je me rappelle, j'avais jamais d'objectif particulier. Mes frères en avaient toujours, ma soeur en avait, pas moi. Et puis, un jour, j'en ai eu un. Et puis, je lui ai dit, ah ben, je souhaite, maman, franchement, je souhaite vraiment quitter la maison. Parce que je commençais à avoir des livres, pas mal de livres, et ma mère avait cette mauvaise habitude. Moi, je laissais toujours traîner mes livres, de ranger mes livres.
Et j'avais horreur de ça. Parce que quand je les rangeais, quand elle les rangeait, je pouvais plus les retrouver. Donc, et jusqu'à présent d'ailleurs, j'aime bien mon bordel. J'ai horreur qu'on me range. Donc, et quand j'ai dit à ma mère que je voulais quitter la maison, et puis elle me dit pourquoi, j'ai dit parce que je suis tanné de te voir ranger mes livres. Et puis elle m'a dit, bon, écoute, si c'est ce que tu souhaites, alors mon cher, ça tu l'auras jamais. Parce que désormais, je ne rangerai plus tes livres. Alors, voilà, ma mère n'a plus rangé mes livres. Donc, c'est un souvenir qui m'est resté agréable, puisque dans la mesure que ma mère avait continué avec le temps à me rappeler ce vœu que j'avais fait. Tout m'inspire. Je suis comme un genre d'éponge ouvert à toutes sortes d'expériences, à beaucoup d'expériences. La nature m'inspire, la terre, les gens, les questions reliées à la justice m'inspirent, à la justice ou à l'injustice m'inspirent, la justice sociale m'inspire. Et dépendamment duquel de mes projets d'écriture, c'est une trame différente. Je me rappelle, par exemple, ma première plaquette de poésie, c'est Valkandaï. C'est une plaquette de poésie en créole. Alors, ce que j'ai voulu tout simplement faire, c'était j'ai voulu rendre hommage à ma grand-mère, qui est une femme qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et c'est une femme, ma grand-mère était analphabète. Et ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait l'habitude, quand elle allait au marché, elle fumait à la pipe. Elle allait acheter son tabac une fois par semaine au marché et elle ramenait un livre. Mais c'est un livre, la collection Martine. Martine va à la campagne, Martine va à la mer, etc., etc. Et quand elle me ramenait ça, elle me disait, tiens, je ne sais pas lire, tu vas me lire ça et après tu vas me raconter l'histoire. C'est comme ça que j'ai appris à aimer à lire. C'est elle qui m'a initié à la lecture. Et je prenais plaisir à lui raconter ce qui était dit dedans. Des fois, elle trouvait ça drôle, des fois, elle trouvait ça moins drôle. Et au bout du compte, quand j'ai publié Valkandaï, elle avait cette manière, elle avait une langue, elle parlait un créole coloré, riche, parce que ma grand-mère, elle est du nord d'Haïti. Et c'était pour un peu lui rendre hommage à tous ces mots qu'elle m'avait laissés. Donc, ma première plaquette de poésie, c'est Valkandaï. Ensuite, il y a eu Chant de mémoire. Mais Chant de mémoire, justement, dans Chant de mémoire, c'est essentiellement deux thématiques qui traversent Chant de mémoire. C'est les thématiques reliées à la mémoire, mais mémoire collective. Mémoire collective du Montréalais d'origine haïtienne que je suis, en fait, de l'haïtien que je suis, et du noir aussi que je suis. Par exemple, si tu prends des textes comme Chant de mémoire, comme Savannah, par exemple, c'est des textes vraiment reliés à la mémoire. Et aussi, évidemment, il y a d'autres textes qui sont reliés aussi à des expériences toutes montréalaises, comme par exemple dans des textes comme par exemple Montréal au mois de mai, donc qui est pour moi cette déclaration d'amour à Montréal, qui est une ville que j'aime beaucoup, ou encore des rencontres au hasard d'un coin de rue, par exemple. Et puis j'ai quitté. C'est un texte. Une sortie dans une boîte de nuit. Et puis, il y a un texte qui en est sorti. Un peu plus tard, il y a eu Diderance, paru à Mémoire d'un crier. Diderance, c'est non seulement cette thématique-là, mais c'est encore plus. C'est encore plus dans la mesure où c'est davantage, l'expérience est encore davantage plus personnelle. Et les textes qui sont là-dedans, et j'ai osé dit et j'ai osé dire des choses que je n'oserais pas dire il y a 5 ans ou 6 ans auparavant. Et après, il y a eu Lettre d'automne, qui est une correspondance entre deux personnes, entre deux exilés finalement. Mais il y en a un qui est un exilé politique qui vit à Montréal depuis une trentaine d'années, et puis l'autre
est une femme qui vit quelque part à Port-au-Prince. Et c'est une expérience, c'est une correspondance autour des deux thématiques, sur l'exil et puis sur l'amour. Et cette œuvre-là, en fait, ce projet-là m'est venu autour des personnes que j'ai rencontrées ici à Montréal, des exilés, et soit d'origine haïtienne. Et j'ai des amis chiliens. J'ai des amis chiliens qui m'ont beaucoup parlé de leur expérience d'exil sous la dictature de Pinochet, après l'assassinat d'Allende. Mais aussi, ce que j'ai souhaité aussi, c'est j'ai voulu quelque part aussi rendre hommage à tous les exilés. Parce que c'est Émile Ollivier qui parlait de l'exil comme l'expérience du déracinement, l'expérience totale du déracinement. Et en ce sens, moi, j'ai croisé des gens ici à Montréal, à Paris aussi, qui sont devenus fous à cause de l'exil, n'ayant plus de repères. J'ai connu des gens, et j'ai rencontré des gens ici, qui sont des gens qui sont meurtris, meurtris dans leur corps, dans leur âme, dans leur cœur, dans leur tête, parce qu'ils ont été exilés à cause de leur opinion publique, politique, à cause d'une prise de position, à cause de leur choix de vie ou de leur manière d'être, tout simplement. Et puis, je trouve que ces gens-là, on ne parle pas assez d'eux. Et c'était une manière pour moi de rendre hommage à ces gens-là. Donc, souvent, les gens, quand ils me font des commentaires par rapport à Lettre d'automne, je pense que la plupart des gens retiennent toujours, surtout le lien affectif ou amoureux entre ces deux êtres. Donc, ce qu'ils se disent en termes de paroles d'amour. Mais je pense que, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup traversé en écrivant Lettre d'automne, c'est davantage la cassure, la déchirure, c'est la tristesse, la désolation qu'on puisse vivre quand on est un exilé. Je ne suis pas moi-même un exilé, puisque j'ai suivi mes parents, tout simplement, quand ils ont quitté Haïti. Donc, je ne me suis jamais considéré comme un exilé par rapport à Haïti. Mais dans ma démarche d'écriture, j'ai toujours eu à l'esprit, même quand je parle d'Haïti, j'ai toujours à l'esprit ces exilés, j'ai toujours à l'esprit ces personnes, ces gens qui, à leur façon, ont connu l'exil. Oui, quelque part, quand on est écrivain, on peut connaître une forme d'exil qui n'est pas nécessairement un exil politique. J'ai d'autres exils intérieurs, peut-être, mais mes exils intérieurs me suffisent amplement. Je me rappelle, et petit, on apprenait, quand on nous demandait qu'est-ce qu'une île, on nous disait, on apprenait à l'école, à la petite école, une île est une terre entourée d'eau. Je trouve que cette définition-là, c'est une définition de fermeture. Et pour moi, une île, c'est un lieu où on a toutes les possibilités de voyage. C'est un espace ouvert. Et moi, c'est comme ça que je conçois mon insularité ici à Montréal, ou quand je voyage aussi dans d'autres villes, dans d'autres lieux. Pour moi, New York est une île. Pour moi, Paris est une île. Dans la mesure où, quand je vais à Paris, quand je vais à New York, ben, j'arrive dans des espaces d'ouverture, où c'est des rencontres. Je vais à la rencontre d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui viennent à ma rencontre, et c'est le partage, c'est la communion, etc. Et pour moi, c'est ça, une île. C'est la possibilité d'être qui on est, ce qu'on est, mais tout en étant ouvert aussi aux autres, à d'autres expériences. Montréal, et Montréal par excellence, pour moi, qui suis originaire d'Haïti, Montréal me parle dans son insularité. Non seulement parce que Montréal renferme en termes de diversité, en termes d'ouverture, en termes de richesse, richesse culturelle, mais je me rappelle dans un de mes textes, dans Montréal au mois de mai, justement, je dis, avec ta permission, je dis ceci. J'ai horreur de dire les textes par cœur. Montréal au mois de mai. Je dis, moi, enfant d'île, fendillant le jour de mes doigts décadents,
J'ai ligoté le Saint-Laurent à mes larmes. Moi, enfant d'île, déployant mon reliquaire au cœur du Mont-Royal, je t'écris l'espérance en lettres mortes. Et un peu plus loin, je dis, attends. Figé à la barbarie des exils, Montréal, tu enlaces mon île, déradée au gazouillement du Nordais. Et pour moi, c'est-à-dire, pour moi qui suis un insulaire d'origine, et me voilà encore sur une île, Montréal, et c'est le lieu pour moi de toutes les partances et de toutes les appartenances aussi. Donc moi, c'est comme ça que je vois l'insularité, c'est en termes d'ouverture, et non pas comme un espace fermé, entouré d'eau, barricadé par les eaux. Voilà. Donc c'est plutôt un espace d'ouverture. On peut voyager. Voilà.